Début février, le Parti communiste chinois, PCC, a regroupé plus de 300 journalistes pour réaliser des tournages intensifs dans la province du Hubei et dans la ville de Wuhan. Ces tournages avaient pour objectif de diffuser des informations qui font chaud au cœur. Quelques making-of de ces tournages ont cependant été révélés. Quand ils ont reçu l'ordre de pleurer, les gens se sont mis à rire. On y voit aussi les médias du Parti communiste chinois qui font lire aux gens des textes qu'ils ont préparés pour réaliser leurs interviews de propagande. Comme il y avait de nombreux figurants, plusieurs répétitions semblaient nécessaires. Un enregistrement audio diffusé dans un média social explique que la situation réelle est loin d'être positive, contrairement à ce que prétendent les autorités. Le 6 mars, la télévision centrale de Chine CCTV a rapporté que des journalistes étaient entrés dans l'hôpital des urgences Zhuo Erchangjiang de Wuhan pour faire des reportages. Cependant, un homme d'un certain âge ne semble pas tout à fait prêt pour l'interview. Je vais vous dire.